Hey, bien salut, c'est Agi, on se retrouve pour cet épisode 13 de Zelda Breath of the Wild. On vient de terminer ce sanctuaire et nous avons aussi obtenu un nouveau pouvoir lorsqu'on a ramené, eh bien, Varuta à la raison, notre toute première créature divine. C'est-à-dire que maintenant, il nous en reste plus que 3 pour notre objectif principal. Un au nord et deux à l'ouest. Mais je pense qu'on va se diriger, eh bien, vers ce point d'objectif puisque c'est le plus proche et au moins on va pouvoir reparcourir ces plaines et peut-être débloquer de nouvelles maps. Alors, avant de se téléporter, on va aller farfouiller un petit peu au niveau d'ici et voir ce qu'on va pouvoir découvrir. Eh oui! Alors, on va afficher la map pleine de Samazar. Bah écoute, on va se mettre en route. Par contre, il y a un ennemi qui m'a remarqué. Bon, c'est pas grave, il est loin. Il me dérangera pas. Et il y a un autre lézard là-haut. On va essayer de venir doucement sur lui. Par contre, s'il pleut. Voilà, la pierre, ça va glisser. Et ça, c'est la merde. Parfait. Alors, doucement. On va se cacher derrière le décor. Comme ça, il ne me verra pas. Doucement, doucement. Oh, elle est pas mort! Oh! Oh, ils sont résistants! Seiya! Tiens! J'ai pas de meilleure épée parce que là. Voilà, peut-être ça sera mieux. Qu'est-ce que tu fais? Wow! Viens par là! Viens! Ouh! Six, 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 six! Seiya! T'es mort! Sabre de la défiance, ça je te le prends. Ah putain, j'ai plus de place. Dégage. Ouais. Ça c'est bourrin, ça. Alors. On va se diriger un petit peu par là. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Des plaines et des montagnes. Ouais, écoute, on va par ici. Puis on va un petit peu découvrir ce qu'il y a aux alentours de là où on s'était quitté. Ça, je prends. Herbe d'Hyrule. Stylé quand même. Ah, il y a de la caillasse. Il y a même de la grosse caillasse. Non mais oh! On se calme! On m'envoie des cailloux! Hop là! Alors, ce qui est chiant, voilà, quand on utilise les bombes, par contre, ça dégage un peu partout. Très bien. C'est dangereux par ici. Je prends tout ça. D'ailleurs, il va falloir qu'on revende tout et qu'on se fasse du fric, parce que niveau fric, hein, 360 rubis, c'est pas grand-chose. Je prends tout ça. J'aime Nox. Et après, on a cette petite fleur. Dès qu'on marche dessus, elle va disparaître. Voilà, comme ceci. Elle va réapparaître autre part. Et en fait, il va falloir toujours la retrouver et remarcher dessus. Là, sur le mur. Et tu vas voir, c'est pourquoi. Pareil, sur le mur là-haut. Allez, monte. Très bien. Et la dernière, normalement, ça fait un chemin à suivre. Donc, là. Hop là. Korugud san desu ka ne? Ah, petit cul. Merci. Mais de rien. Hop. On peut continuer. Bizarre, ce caillou. Ce décor quand même. Ce qui est agréable, c'est qu'on voit de très très loin quand même avec ce jeu. Sanglier à croc rouge. Est-ce
Est-ce que j'arriverai à le tuer? Ou sinon... Ok, c'est raté. Et ça? Ça s'envoie comme un boomerang. Mais elle est pas mort. Yeah! Tu te barres pas. Non mais oh. Venez en file. Un bateau avec... bah rien du tout. Ok. Il y a un caillou là-haut qui est tout seul. Hop. Soulevez-moi ça. C'était sûr. Korogu sans de scanner. Tiens, prends ça dans la tête. Je vais remonter comme ça parce que là, sinon, il y a de la nage à faire. Ça va, mon gros? On l'a déjà pris en photo. Yeah. Merci. Hop. Ouais, c'est un les Alphos. Il est en train de faire baignade. Turbo Max. Ah. Je veux effacer, effacer. J'ai plus de place. Je vais juste en effacer quelques-unes. Et le reste, je ferai moi-même. Turbo Max. Qui en contient un peu plus que le nombre maximum de cœurs. Très bien. Crabe Armo. Photo. Donc t'as de la bouffe qui redonne de l'endurance, mais t'as aussi de la bouffe qui redonne de la vie. Et des cœurs en plus. Donc qu'on fasse le choix de cœur ou de l'endurance, de toute façon, t'as toujours de la bouffe qui peut tout augmenter. Donc au niveau de ça, rien de dérangeant. Ah, un coffre. Hop là. Et un deuxième là-haut. Rubis violet. Ça fait plaisir ça. Avec moi toi. Toi aussi. Je prends ça. Ouh, 5 flèches explosives. Ça, ça fait plaisir. T'as un poisson. Ah parce qu'au niveau flèche, il va falloir qu'on en récupère pas mal. Hein. Hop. Je vais essayer de plus trop en utiliser. Histoire d'en avoir beaucoup quand même. Caillou explosé. Et là aussi. Hop. Ok, c'était de la merde. Et de bon carré. Voilà, ça au moins ça bouge pas. Et un coffre. Bouclier poisson, garde plus 2. 5 de défense. Ah. Bon, il donne pas beaucoup de défense, mais j'ai envie de le prendre quand même. Juste pour la garde plus 2. D'ailleurs, on va le mettre. Hop là. Ok. On a de la caillasse aussi. Hop. Je me disais bien que j'entendais une musique. Alors lui, quand on va le voir, souvent il a des quêtes à donner, des énigmes dans les vents vifs. Il a bien une quête. Eh bien, je m'attendais pas à voir quelqu'un ici au milieu de nulle part.
Attends une seconde, cette chose à ta ceinture. Non, ce n'est rien, j'ai dû me tromper. Qui es-tu? C'est la première fois que tu rencontres un piaf? Je me nomme Assarim, poète itinérant, je sillonne le monde en quête d'anciens chants. Alors, on va t'appeler Coco, par contre. Connais-tu, mon ami, les vieux chants à propos des combats héroïques pour dompter le fléau? Les vieux chants? Ces chants louent les héros qui surent par le passé, après de nombreuses épreuves, le fléau terrassé. Là où nous sommes en ce moment, perdure un de ces anciens chants. Il parle d'une des épreuves où le héros dut faire ses épreuves. Souhaites-tu entendre mon chant? Oui. Donc on aura une petite énigme à chaque fois que tu arrives à le trouver dans des plaines, ou au niveau des montagnes, sur les terres balayées par un souffle violent. J'ai pas eu le temps de vous. Déploie l'aile du roi et va poser ton pied sur la terre qui luit pour l'épreuve révélée. Merci. Alors du coup pour ça, dans le temps de vent. Sur les terres balayées par un souffle violent, brise la pierre et laisse-toi porter par les vents. Déploie l'aile du roi et va poser ton pied sur la terre qui luit pour l'épreuve révélée. Un souffle violent. Là, il y a du vent. Merci. Voilà. Là-haut aussi, bah tiens, le rocher qu'on a explosé, tu vois, ça fait du vent. Et un caillou ici. Monte. Et ici, je vais jeter ma bombe. Avec le vent, ça va la ramener. Logiquement. Bien. Ça a l'air d'être ça. Merci. Les crabes! Crabe lame. Qui augmente l'attaque. Ouh. Tiens. Boum! Pauvre petit crabe. Et celui-là aussi. Ah, tiens, il y a un rocher à détruire là-haut, là aussi. Et là, des petits rochers en cercle dans l'eau. Donc, il doit y avoir la caillasse juste en haut. Parfait. Eh oui, exactement. Hop, prends ça. Et jette-le. Ok, il va falloir reculer un petit peu plus. Comme ceci. Yes! Kurugu! Sans déconner. Merci, petite crotte. Alors, lui là. Peut-être plus comme ça, parce qu'il y a du vent en fait. Bien. Et l'autre, il était où? Là, je crois, hein. Pareil, ici il y a du vent. Oh, dégage-toi. Parfait. Apparemment, c'est bon. Et ça disait de marcher sur un truc qui luisait justement. On va y aller. Hop! On va prendre le courant d'air. Ça va m'y emmener directement. Oui, non? C'était écrit quoi? Déploie l'aile du roi et va poser ton pied sur la terre qui luit pour l'épreuve révélée. J'ai posé mon pied. Est-ce que je devais y aller en volant?
C'est possible. Ah. Là. Voilà. Je monte ici. Et en toute logique. Ce truc m'amène jusqu'au truc lumineux et j'atterris dessus. Voilà, c'était bien ça. Il fallait voler jusqu'à ce socle. Et donc, dès qu'on fait ces petites énigmes, un sanctuaire se dévoile. Yeah. Ben voilà. Ah là là là. On y rentre. Ah bah. Easy. Ouh, longue épée des flammes. Oh oh oh. Stylé. Et toi, je veux ta boule. Un nouvel emblème, le deuxième. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une partie là. Bon. On a une zone de téléportation, au moins ça c'est sûr. Je pense qu'on va pouvoir bouger maintenant. Et on va aller... On va aller au village Cocorico. Juste avant. Faut que j'aille revendre tous mes minerais. La tenue Shekar qui donne de la discrétion. Et pour le coup, ça va nous être utile. Pour aller bien derrière les ennemis sans qu'ils nous aperçoivent. Il va falloir qu'on achète cette tenue. Alors, tu vas prendre les pommes juste avant. Voilà. Direction au magasin. Avec ma grosse épée de flamme. J'ai des choses à vendre, achète-moi un truc. Alors, tous mes cailloux, cristal de sel, ça je garde. Opal brut. Je vends tout le stock. Là, on va se faire du fric. Pareil. 780 rubis. Est-ce que j'ai encore autre chose? Des topazes brutes. Rubis brutes. Et de ce côté, des Genox. Oh yes. Oh, ça fait plaisir de l'argent. Très bien. Non, c'est bon. Maintenant, je vais tout acheter. Masque furtif, discrétion qui augmente. Et non, ce truc. Comme j'ai pu dire. Pareil, j'achète. Et ça aussi. Chose furtive. Hop. Regarde-moi ce style. T'en peux pas faire un truc avec l'appareil photo? Autoportrait. Longue épée des flammes. Oh tiens, je peux même le prendre en photo d'ici. Je suis si mignon, oh là là. Je peux même dézoomer. Ah, arc de chevalier. Je prends aussi. Ouais, bon, les photos, j'irai tout supprimer. Voilà, comme ça, on est au max de notre discrétion. Ça va être pas mal. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tes cocottes? Je vais les chercher. Mais tu attendras plus tard. Ah, je pense, regarde, je peux m'approcher facilement. Sans que le truc qui fuit. C'est parfait ça. Par contre cette épée enflammée j'ai envie de la garder. Voilà. On ressemble vraiment à une fille quand même.
Album. Ah, celle-là, je la garde, elle est trop bien. Celle-là, je peux les passer. Je vais monter par ici. Rumi. Et on va aller aussi à la fontaine des fées, histoire que je récupère des fées. Qu'on aille voir aussi la grande fée. Et il y a aussi des fleurs qui m'intéressent derrière. Ah, vas-y, prends ça. Tout doucement. Le rubis. Rubis violet. Elle se fout pas de ma gueule. Hein. Du fric. C'est génial. Ah bah trop tard, ouais, il m'a vu. Je viens de courir en même temps. Tant pis. Hop. Je vais prendre des fées. Je vais quand même marcher doucement pour pas les faire fuir. Parfait. Et il y avait des fleurs. Ça serait celle-ci. Princesse de la sérénité. Et heureusement qu'on me l'a dit. Ça va me permettre d'améliorer certaines armures. Encore une là. Et un Radimax. Il n'y a pas de la caillasse. Il n'y a pas de caillasse. Ok. Bon, on va aller voir la cougar. Histoire de regarder ce qu'on peut améliorer. Hop. Oui, vas-y. Oh. Tunique de prodige. Ouais, plus 8 de défense. Je dis pas non. Merci bien. Encore. Bon, bah, tout améliorer, hein. Ouais, bien sûr. On en a besoin. Plus 5 en défense. Oui. Toute ma tenue Sheka, elle va y passer aussi. Et on passe à 4 de défense. Oui, madame. Hein? Ah, mon Dieu. Oui. Et le dernier. Pour terminer. Bien. Merci, Kotura. Je vais me téléporter et je vais aller au laboratoire antique des limites. J'ai peut-être des trucs à améliorer, faut qu'on voie ça. Ma petite Brua, voilà des matériaux. Les bombes. Je peux améliorer? Oui, Titi. Oui, je peux. On améliore les bombes. Tablette Choco Sheka. La goutte. Et une goutte de Milka. Une. Plouk. Ces bombes améliorées sont plus puissantes et se rechargent plus vite. Oh oh. Très bien ça. Est-ce que tu peux améliorer autre chose? Un nouveau module. Voilà des matériaux. Le Cinétis. Ah, j'ai pas 3 cœurs antiques. Ok. Et toi? Veux-tu que je respecte comment utiliser ton détecteur? Non merci. Je trouve toujours tes champignons.
qu'on va faire aussi, c'est aller au niveau de la plage. Alors, c'est de l'autre côté. Une fourche. Voilà, champi piment. Et un sanctuaire aussi. Oui! Hop là. Voilà, au niveau de la plage, c'est là-haut. Parce qu'il y avait une quête à l'affiche. Faire, toi. Tiens, encore un cercle là. Hop là. Ça passe pas comme ça. Peut-être en courant. Non plus. Alors, je vais peut-être grimper. Et il me refaut de l'endurance. Hein. Ça part quand même assez vite ce truc. Très bien. Nani. Nante kawaii. La playa, non. Allez vous faire, vous. Aïe. Aïe 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 aïe. Il est en train de me faire tomber. Défense. Pour l'endurance, juste prendre des perches. Quel enfoiré. Oh, tu vas te calmer toi. Il faut une épée beaucoup plus rapide. L'épée Zora, ce sera parfait. Allez! Il esquive à cet enfoiré. Très bien. Mon épée Zora qui va bientôt se péter en plus. Des cailloux! Doucement, pas dans le vide. Ouais, ça se recharge quand même très très vite. Hein. Voilà, je réceptionne. Ça se pète, mais rien d'autre. Un sentier tout au bout. Ah, il est tout seul. Je vais remplacer la valise et je vais mettre... Non, pas un coffre. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Oh, allez, ça. Voilà. J'y reviendrai plus tard sur ça. Y'a quoi ici? Y'a rien du tout. Hop. Y'a que dalle. Des flèches. Faudrait des flèches. Noix de coco. Ah, bon, on va aller voir de l'autre côté. Il devrait y avoir des ennemis normalement. Il y avait des monstres. C'est ce qui était écrit. Encore des cailloux. Non, 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 non. Voilà. Draco Arkboko. Et toi, un coup de hache de bûcheron. Je prends ça. Il pleut. Perde pas grand chose. Hop. Parfait.
Pas d'autres ennemis. Ça a l'air d'être bon. Bon bah on va remonter. Et on va se téléporter ici. Il y avait une armure aussi ici à acheter. Hop. Mais bon, je vais m'en abstenir. Jusqu'à midi. Allez. On espère qu'il fasse beau. Non, c'est le déluge. Hey. Au monstre de la plage des limites, naillé de la bergerie des limites. Voilà, c'était la bergerie. Est-ce que c'était ça tes monstres aussi? On va aller voir. Hop. La technique. Et la bergerie est juste au-dessus. Hop. On va voir si on a réussi à clear la quête. C'est toi? Naïe! Ah, c'est moi que tu regardes comme ça? Oui. Qu'est-ce que tu me veux? Ne fais pas l'innocent. N'a pas l'air dangereux. Ah bien, et regardez, j'étais pris pour un de ces monstres de la plage qui viennent voler mes moutons. Si je continue à ce rythme, je n'aurai bientôt plus qu'à raccrocher mon bâton. Hein? On n'avait pas activé cette quête? Justement en lisant le panneau là-haut. Les troupeaux sont sacrifiés lorsque tous les monstres de la plage auront été éliminés. On n'a pas terminé? Quel monstre? Ils sont sept! Attends, redis-moi ça. C'est en tout, ce n'est pas rien, sans compter les autres qu'on pourrait croiser sur la route. Donc on n'a pas réussi ta quête. Bon, c'est pas grave, on va y retourner. Ça fait partie du jeu. On va retourner sur la plage. Elle l'a marqué. Parfait. Hop. Ça va être chaud à choper. Eh 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 eh. Nanananananana. Au moment où on veut glisser. Voilà. Alors pour péter ça, ouais par contre. Je vais faire tomber le problème. C'est bon, tu peux descendre. Et tu prends. Bon, on va suivre le point d'objectif du coup. Je vais peut-être me poser avant par contre. Hop. Et on saute. Il n'y a pas de monstre là-haut tout à l'heure. D'accord. Je crois qu'il fallait activer la quête. Ah ouais, les moutons là-haut. Oh, il y a du monde. Oh, il y a du monde. Mais j'ai plus de flèches. Ça sera déjà pris. Parce que lui, je pense qu'il va me voir. Hein. Ouais, voilà. Il me voyait très loin. Écoute. Bourrin ! Seiya ! Tiens ! Voilà, ça c'est mort déjà. C'est fait.
Zut! Faut que je recharge. Doucement, 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 doucement. On se calme, les gars. Parfait. Seigneur! Merde, très bien. Wow! What the fuck? Il jette son pote. Tiens. Tiens et tiens. Ah c'est vrai, je peux pas le jeter ce truc. Voilà. Tu te calmes. Jack, tu jettes tes potes. Suc, suc. À ton tour. T'es mort. Bah alors, il reste plus que toi. Par contre, tu dois avoir des flèches. Ah, objectif mis à jour, parfait. Toc toc toc. Je prends tout ça. C'est de la merde. Les flèches. Je prends, c'est sûr. Lance les ailes robustes. Bah alors les moutons. T'as encore une flèche ici. Petit mouton. Petit mouton. Je prends ça, viens de griller. Hop. Rubis brut. Ah, finalement, on va aller se faire ce sanctuaire. Il est assez loin. C'est pas grave, on va y aller. Grâce au Cryonis. Et après, on va valider notre quête. Et je pense qu'on pourra s'en arrêter là. Alors, j'avais prévu, oui, de faire toute cette partie-là. Bah, ça attendra pour le prochain épisode, du coup. On a fait des quêtes secondaires. Ça, c'est pour un corps au goût. Sans rocher. Non, mais pas vous. Nanananana. Ici. J'essaie de l'habiter en même temps. Ok, au bout. Allez, monte. Korogu san desu ka ne? Toi, tu manques Kikin par contre. Merde. Où est-ce qu'il est parti? C'est pas grave. J'ai oublié de le rattraper. Merci Korogu de me protéger. C'est si gentil. Aïe. Je vais me mettre comme ça là sur le côté. Ok. Hop. Ah bah c'est malin ça. Casse celui sous mes pieds. Dora de l'âme. Hop. Voilà. Putain elle est vachement loin hein. D'ailleurs, pour nager beaucoup mieux. Voilà. C'est mieux. Hop. T'as toujours l'impression, tu sais, que c'est pas très très loin en fait. Quand il va, tu dis, oh mon dieu. Finalement, si. Hop. Oui, je sais qu'il y a un sanctuaire. Pas obligé de me le signaler.
On y est presque. Après, il suffira d'une petite téléportation, puis ce sera bon. Hop. Il y a un bateau si jamais. Et les ennemis. M'excusera. Et hop. Monte vite. Ah. Bon enfoiré. Ok, vite. Ah, j'aurais pas assez d'endurance. On se le refera après. Déjà le sanctuaire. D'accord. Hop. Épreuve extrême de force. Oh oh. Ah ouais, il sort les épées lui. Hein. Allez, écoute, moi aussi. Yeah. Ce. Oh putain, il perd rien en PV. Wow. D'accord. Ok, il est un peu lent. Qu'est-ce qu'il me fait? Caché derrière. Oui. On va en mettre du temps à le tuer lui. Aïe. Elle m'a utilisé une fée. T'es sérieux? Oh mon dieu. Ouh là, il y a du niveau. Nanana. Voilà. Yes. C'est. Ouh. On est reparti. Mon épée qui a pété. On passe à la longue épaisseur. Yes, voilà, parfait. Oh mon dieu. Je suis un peu en stress là. Comment je l'enchaîne? Truc à manger. Manger. Ça, ça donne de la défense en plus. Voilà, je suis à côté, au moins il peut pas me toucher. Doucement. Là. Attends, on va charger. Tiens. Je vais tout utiliser sur sa gueule. Je crois qu'il a cassé mon bouclier. Lui là. Attends, il me refait un autre bouclier. Un recul. Hop. C'est.
Tu te calmes, mon gars. Ok, on va essayer ça comme ça. Parfait. Gros combat pour terminer cet épisode. On va recommencer. Et on recommence. Wouhou! Tiens. J'ai plus grand chose. Yes. D'accord. Ah, est-ce que mon épée a cassé? Wouhou! C'est ya. Vas-y. Et on va recommencer. Ouh. C'est chaud, hein. Manger. Oui, si tu veux ça, on s'en fiche. Ouais, je refasse de la bouffe par contre. Oh, il était chaud le timing. Sur le bouclier. Et on se tient prêt. Oh 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 oh. Régénération, faudrait que je fasse de la bonne bouffe parce que là, c'est n'importe quoi. On va changer le bouclier. Celui-là, on recommence. Yes! Oh mon dieu! C'était quoi cet ennemi résistant? Rouage antique. Lance de gardien 3.0. T'as laissé une épée ici, hein. Ouh! 60 de dégâts. Sa hache. Oh mon dieu. Ouh, c'est bon, on va pouvoir quitter ce sanctuaire, je prends ce coffre. Camp d'escalade. Oh, parfait! Vitesse d'escalade. On a deux trucs pour monter beaucoup plus vite. Par contre, la difficulté de ce sanctuaire... Enfin, de l'ennemi. C'est fou, hein. Allez, on va se faire ça. Et on y va. Alors, est-ce que j'aurai assez par contre? Ouais, je pense que ça va être bon. Parfait. Kodogu. Et tout de suite, on va se re-téléporter. Ah, par contre, le plus rapide, ça serait le laboratoire. Comme ça, je peux voler directement et lui ramener sa quête. J'ai perdu aussi beaucoup d'armes hein, au cours de cette bataille. Bon, au moins, j'aurai de la place dans mon inventaire, ça c'est sûr. Tiens, j'ai fini ton truc. Oui, c'est moi. 10 bouteilles de lait frais. Merci. Et ben voilà. Quête terminée, on va s'en arrêter ici. Et par contre, ouais, prochain épisode, vraiment. On se dirige vers le point d'objectif qui est ici. D'ailleurs, il va falloir que je remette la quête principale, les créatures divines.
Voilà, et on est bien. J'espère que tu as apprécié cet épisode et je te donne rendez-vous pour la suite magnifique de notre aventure sur Zelda Breath of the Wild. Sur ce, porte-toi bien, des bisous et à la prochaine. Bye, toi crème.